Tintin! Hello tout le monde! Ah merde, j'ai oublié mes lunettes! How dare you show your lunettes! Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'Alpha, moi c'est Camille et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul! J'ai reçu mes commandes Vinted. Alors la première pièce de ce haul sera ce jean. C'est un mom jean gris, super sympa. Et ça, c'est du coup une pièce de mon haul Shein. Allez voir si vous avez pas vu. Un truc que j'adore chez les Vinted, c'est quand j'ouvre mes paquets et que dedans il y a des petits mots. Alors voilà. Pour ce jean, la fille elle avait écrit: merci pour votre achat, à bientôt sur Vinted. Prenez soin de vous, Amia. Genre, I mean, it's so cute. Donc du coup, je vous mettrai bien évidemment le nom de Vinted dans la barre de description. Ça a pris une éternité pour être arrivé à cause de Colissimo qui faisait genre qu'il livrait ses colis, en fait c'était pas le cas. Donc, on va ouvrir ce mastodonte. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que là, vous voyez. Attention, si vous êtes mineur, demandez à un de vos parents pour aider le plus. À ouvrir le colis, je me souviens plus ce que j'ai commandé. J'en avais pas besoin encore. Ah là là. Donc du coup voilà, c'est une veste en cuir. Vous voyez, moi je trouve que ça fait un peu des vestes et... Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais absolument pas comment je vais la porter. En fait je me dis qu'avec ce look ce serait bien, mais peut-être qu'il me faudrait un bob en plus pour compléter le archi noir. Comme ça, elle est un peu plus cintrée. Hop. Vous les entendez? Là, il y a encore un truc comme ça, là. Vous voyez quand vous commandez un truc en ligne et que vous l'achetez et que vous le recevez. Bon, quand tu t'en souviens, c'est sympa, tu vois. Mais quand tu t'en souviens plus, c'est encore mieux. Donc voici un petit haut Morgane de toi. Je vais vous montrer tout de suite le résultat. Très mignon, très classé. Pour un peu plus... Ah bah non. Ah bah non. Je voulais sortir la chouette qui était en moi, mais je ne peux pas. C'est cousu. Mais sinon c'est hyper cute. Je peux aussi le renouveler un peu pour faire plus genre effet crop top. Il manquait des... t-shirt un peu plus sérieux. It's very cute. I love it. Donc on continue. Ça je sais pas ce que c'est. Ah je crois que c'est des cadeaux. Oh regardez, elle avait des chocolats. J'adore. J'adore. Je crois qu'elle a manqué une écharpe. Parce que ça je ne l'avais pas commandé. Mais parce que c'est une écharpe comme ça là. Mais ouais. Je sais pas trop. Ok, prochain article. En fait, ça, je ne l'ai pas commandé. Je ne sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est un article qu'elle m'a offert. En fait, elle m'a vraiment offert, mais genre, plein de trucs. Je pense qu'elle s'en débarrasse aussi un peu, mais c'est pas grave. Je fais un vide dressing juste après. Donc, soit je le customiserai, parce que j'ai plein de t-shirts, que j'ai plein d'idées de t-shirts à customiser. Ça, c'est ce dont je me suis rappelé. Un ensemble. J'espère qu'il m'allait... Alors, le pantalon, genre, c'est un truc, mais c'est du, ça doit être du 34. On est vraiment dû forcer pour le fermer. C'est un ensemble très chic que je pourrais mettre chez ma grand-mère. Sauf que ça me va, mais genre, clairement, mais trop petit, en fait. J'espère qu'il m'a... Putain, maintenant, il se baigne dans la piscine. Non, mais faites encore plus de bruit pendant que je fais des vidéos. Ensuite... Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Oh! Ok les gars, en gros, chez elle, il y avait un top que je voulais acheter. Et en fait, je me suis rendu compte que genre j'étais vraiment trop dehors de mon budget. J'avais vraiment commandé trop de vêtements. Et du coup, au final, j'ai dit que je ne commanderais pas parce que j'avais pas d'argent. Et elle me l'a mis. Non mais, genre, c'est trop mignon de sa part. Ok, bon, ça faudra que j'ajuste. J'ai besoin d'aide pour l'ajuster. Mais. It's really cute.
Genre, c'est un peu transparent, mais en même temps, c'est quand même assez opaque. Genre, c'est mignon. Là, c'est vert comme ça, là. Je trouve que ça fait très 2000, années 2000 vibes. Je ne sais pas comment je vais le porter. Si vous avez des idées, mettez-le en commentaire. Ah, ça, je m'en souviens. Ça, je l'ai acheté. Quand même que j'achète une partie. Oh shit! Yeah, yeah, yeah. Ah putain les gars, là je suis bien. Mais attendez, regardez, pour faire des années 2000 vibes, j'ai ça en plus. Attendez. Vous vous souvenez de ces pinces-là? Là. Et c'est trop bien, en plus, genre c'est trop la tendance du moment, les freins comme ça. Tu peux le remonter. Hop, sur les bonnes. Mais j'adore. En fait, j'aime quasiment tout. Prochain article. Ah oui, ça je l'ai commandé aussi. Mais je ne crains que ça ne ressorte pas trop comme je m'y attendais. Donc, c'est ce que ça donne. En vrai, c'est assez mignon. Genre, je ne pensais pas. Mais c'est assez mignon. J'ai l'impression d'être une elfe. Vous voyez, avec ces mouvements, je pense. Ah, mais là, c'est carrément craqué. Wesh. Ça, par contre, ça se fait pas dans des vêtements. En plus, ça a ce petit détail comme ça là qu'elles aiment bien les meufs en ce moment. Est-ce que c'est vraiment transparent? Non, oui, c'est bon. Voilà. Comme ça, ça fait des petites pattes. En fait, faut genre vraiment suivre genre grave les Instagrammeuses américaines, tu vois, pour comprendre toute ma panoplie de vêtements. Parce que je pense que clairement, j'ai des potes qui seraient en mode. Tâche, c'est ça. Est-ce que je vais réussir à m'intégrer dans la société avec ce genre de vêtements? Nous allons le découvrir. Ouais, dernier paquet. Par contre, c'était censé être blanc, l'impair. Genre, c'est pas du blanc. Ça, c'est à peu près blanc. Au mieux, ce n'est pas blanc. J'aime pas acheter des vêtements comme ça et que ça correspond pas trop. J'arrête d'acheter des vêtements trop grands. Je suis déjà grande. Genre là, c'est aussi un impair de démonstrateur de son corps. Ça, c'est l'impair que j'ai déjà acheté dans le passé. Est-ce qu'il y a une différence? Pas trop. En fait, en conclusion, ce que je voudrais dire de ce carton, parce qu'on en a un deuxième, restez ici. Il y a genre, donc les trucs qu'elle a rajouté en plus, c'est sympa. Hein, y a pas de mal, hein. C'est sympa franchement. Vraiment grave déçue par contre pour le pantalon, parce que c'est clairement genre un 34. Pour l'impair, je suis genre grave déçue parce que c'est pas blanc en fait. Je ne sais pas s'il y a un moyen de... d'éteindre, de décolorer pour qu'il soit vraiment blanc. Et sinon, juste pour ce top là, je suis vraiment déçue de l'histoire de la manche qui est genre ouverte. Parce que tu peux pas vendre un vêtement qui est dans cet état là. Ou sinon tu le dis, je vais vérifier qu'elle est pas dit quand même au cas où peut-être que je... Ah non, c'est pas le prochain carton. Ouais, allez-y. It's here guys. Oh. Il est un peu trop petit quand même ce t-shirt. Enfin ça va. Genre je peux pas être plus musclé que ça par contre. J'ai trop peur de couper les vêtements en même temps. Alors, j'étais un peu à la quête du jean parfait pendant ces vacances vintage. Ces vacances vintage. Cette quarantaine, ça ne se voit pas du tout parce que j'ai essentiellement commandé tout sauf des jeans. Enfin j'en ai quand même commandé deux. C'est pas mal. Alors j'ai acheté un Levi's et un top à cette jeune fille. J'ai trop hâte. Donc le top, ma main. Genre. En plus là, vous voyez, c'est des barrettes. Donc ça va vraiment me faire un trop beau haut. Ok, maintenant essayons de fermer. Am I too fat? C'est la question.
que tout le monde se pose. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Ok. Yeah. Vous voyez, en plus l'effet soie là, ça fait vraiment très chic. C'est chic. Bon alors l'avantage c'est que si un jour je tombe enceinte, j'ai de la place pour de la poitrine. La place est vacante, elle est à pourvoir les gars. J'adore. Le jean et rice. Je me suis dit que au pire, si la couleur ne me plaisait pas, je pouvais le teindre. Et c'est un taille haute. Donc du coup, il apparaît les mêmes boutons que sur celui-là. Et j'ai hâte de voir ce qu'il rend. Parce que s'il me va trop petit, je vais être déçue. Am I fat? Non, mais parce que... I mean, c'est du 36, les gars. En plus, c'est un taille basse. Je ne peux pas le fermer. Genre, vraiment. Putain, mais les gars, genre, arrêtez de vendre votre jean et dire que c'est du 36. It's not fucking 36. Je suis grave déçue, franchement, là. Je suis en colère. Je peux fermer celui du haut. J'arrive même plus à le rouvrir. Mais quand même, les deux jeans, les deux pantalons de cette vidéo ont été un échec, quoi. Là, vous me direz tout ce qu'elle dit. Juste changer de taille de jean. Mais ça fait 2 mois que je fais clothing, les gars. Je sais pas. Peut-être que je suis trop tech. Question que je me pose parfois. Voilà, c'est la fin de ce haul. Alors, c'est un peu moins croustillant que le haul chimie. Et bon, dans l'histoire, j'ai quand même gagné des chocolats que je pourrais sûrement pas manger parce que je crois que c'est du chocolat. Ouais. C'est pas grave, j'y mangerai quand même. Oui, dans ce item. J'ai commandé 2 pantalons, ils vont pas. Est-ce que t'es fat? Je suis sick. Je suis thick, pas fat. Ok. Je vais manger. Les gars, je dois le faire manger. Là, les prochaines vidéos qui nous attendent, rayon mode. C'est le tri de mon dressing parce que clairement là j'ai vraiment plus de place concrètement. Et ensuite ça sera sûrement une vidéo lookbook, j'essaye tout ce qu'il y a dans mon dressing parce que il faut aussi que j'apprenne à genre utiliser toutes les pièces de mon dressing. Et ensuite en dernière étape ça sera customiser des pièces de mon dressing parce que j'en ai qui ne vont pas mais que je pourrais améliorer. Si la vidéo vous a plu, il y a de fortes chances pour que d'autres vidéos à moi vous plaisent. Donc vous pouvez vous abonner sur ma chat ici. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez commenter, liker. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous.